Inégalité au travail, Indraduelne sollicite une coopération renforcée. La lutte contre les inégalités au travail doit être menée avec une coopération internationale renforcée, a déclaré le président de la République, Indraduelne, lors de la 111e conférence internationale du travail qui s'est tenue à Genève, en Suisse. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour lancer un appel à la mobilisation internationale pour soutenir les efforts de relance d'une croissance durable. La lutte contre les inégalités au travail doit être menée avec une coopération internationale renforcée. Je lance ainsi un appel sur la nécessité d'une mobilisation à l'échelle internationale pour soutenir les efforts de relance d'une croissance durable. Il est de notre devoir d'être solidaires pour que la justice sociale devienne une réalité et que le travail décent soit un droit accessible aux générations actuelles et futur. Ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur où chaque individu a la possibilité de travailler dans la dignité et de contribuer à son propre bien-être, à celui de sa famille, de sa communauté et bien sûr de son pays. Promouvoir un emploi décent pour tous est une des priorités de l'État malgache. En adéquation avec cet engagement, le chef de l'État a procédé à la cérémonie de dépôt des instruments de ratification de 4 conventions liées à la santé et à la sécurité au travail. Désormais, Madagascar est le 5e pays à ratifier toutes les conventions fondamentales de l'OIT. Par ailleurs, l'OIT affiche clairement sa reconnaissance des efforts concédés par Madagascar dans l'amélioration des conditions de travail et dans la lutte contre les inégalités.